petit mot à dire. J'aimerais que cette parole t'aide vraiment avant de continuer dans la profondeur. Moi, je sais que je suis toujours béni. Je voudrais que imagine quelqu'un qui a beaucoup travaillé qui dit aujourd'hui je me repose. On a bien dit 7e convention. Et puis thème Bathe Babi, nous devons sortir de la prison. Et le thème dit, tombe dans la prison. Donc si vous sortez de la prison, vous pouvez la guignard. Si quelqu'un sort de la prison, il est complet. Dis amen. Donc la tête en quête aux habits nations dans le bambo. Comme le temps est vraiment court, nous prenons notre Bible. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Du premier verset jusqu'au troisième verset. Allô, il m'a fait voir. Ici, c'est-à-dire Zacharie a fait la vision. Zacharie était dans la vision. Il m'a fait voir les grands prêtres Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Amen. Il est question de procès aujourd'hui. Je tiens à quelqu'un aujourd'hui, il s'agit d'un procès. Donc, le nom salon est comme le corps à tribunal. Aujourd'hui, cette salle est comme un tribunal. Maintenant, toi et moi, nous assistons à un procès. Parce que la prochaine avocat, oh, yo, mais déjà, yes, je maintenant, dans ce procès, ton avocat est Jésus. Aujourd'hui, on doit juger un cas. Cette personne dont le cas doit être jugé, son avocat est Jésus. Est-ce que Jésus peut échouer? Est-ce que notre Dieu peut échouer? Est-ce que vraiment Jésus peut échouer? Celui dont l'avocat est Jésus peut-il vraiment échouer? Je dis aujourd'hui il s'agit d'un procès. Tu es dans un tribunal. Maintenant ton avocat c'est Jésus. Il est dit si Josué à sa droite c'était le diable Satan. Et l'ange de l'Éternel était devant eux. Satan accusait Josué. Satan disait regarde les habits sales qu'il a. Est-ce qu'il est vraiment digne? Il y a toujours quelqu'un qui t'accusait. Mais la seule chose que les gens comme d'un procès. Je te dis aujourd'hui il s'agit d'un procès. Vous savez, après un procès, il y a toujours un acquittement. Toi, comme ton avocat est Jésus, tu seras acquitté aujourd'hui. Moi, je crois que tu seras acquitté. C'est-à-dire, après le procès, tu dois partir libre. Après le procès, tu dois partir libre. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, c'est la 7e convention. On dit il y a un repos. Il y a un repos qui arrive. Alors le repos vous le repos c'est toi. Faut du temps donc on continue pour t'arrêter. À cause du temps on peut pas tout lire. Sur quel verset 9? Si tu lis dans le verset 9. Bah non il y a 7 dieux. Il y a toujours dans Zacharie chapitre 3. Dans le verset 9. Autant ma malade là. Lis cela à la maison. Bah bien. Il y a 7 dieux sur 7 selles pierres. Il y avait 7 yeux qui étaient sur cette pierre et qui regardaient. Alors, ça prouve même l'omniscience de Dieu. Ça dit la présence en Zambé dans l'Ikabouana. La présence de Dieu dans ce cas, dans ce problème. L'ange de l'Éternel a donné son ordre. Et si tu regardes, l'ange de l'Éternel a donné l'ordre. L'ange dira, ôtez-lui les vêtements sales, mettez-lui les vêtements propres. Je dis qu'il y a quelqu'un dont le procès va se terminer. Que le monde soit content ou pas, il y a quelqu'un qui sera acquitté aujourd'hui. Et cette personne, c'est toi.
La Bible dit Jésus est notre substitut. C'est-à-dire un juge qui remplace un autre juge dans la cour de cassation. Le même. Celui qui te condamnait à mort, il est venu pour toi. C'est pour ça que la Bible dira, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher pour toi. C'est-à-dire notre substitut, celui donc ce juge Moko a remplacé le juge Moko la cour de cassation. Il y a ce juge-là qui a pris ta place pour te faire grâce. La cour de cassation, pour les allées pour suprême, là c'est pas quelqu'un qui a matin pas souba. Si on pourrait avoir une décision, on va m'en raté. Oui, il y a un cours là, donc quand on prend ton cas, donc c'est fini. Le nom de ta maman, quand on est la cour de cassation. Ici, maintenant, il y a un bien-aimé dont le problème est arrivé au cours de cassation. Et là, quand le juge dit oui, et Dieu dit oui. Et là, quand le juge dit oui, c'est oui. Ah, ben là, il faut imaginer ce que Dieu n'a pas, pourquoi il y a qu'il a dit Jésus. Mais imagine-toi, ton avocat, c'est Jésus. Tu veux, juge un concept, c'est ça, papa, là. Le juge qui va juger ton cas, c'est son père, le père de l'avocat. Comment on a texté ma solution maintenant? Tu vois pas ce que c'est? Ah, ouais, la même preuve, là. Dis amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, juge un avocat, c'est ma solution là. Quand tu es venu ici, il y a eu déjà conversation entre le juge et l'avocat. Alors, l'adversaire a fait échouer, là. Oui, maintenant ton ennemi a échoué. Souvent, il y a un lien, mais ça, quand même, c'est l'adversaire de jouer. Comme le juge. Ah, ouais, la même preuve, là, c'est pour qu'il a échoué. Lève-nous, acclame pour le Seigneur. Thank you.
souhaite. La mariée souhaite. Amen. La joie nous partage. Amen. La paix nous partage. Amen. La richesse nous partage. Amen. La pauvreté est tombée. Amen. La victoire est tombée. Amen. Au nom de qui? Au nom de qui? Oh,
Parce que dans ce ministère, nous entendons beaucoup de témoignages. Et Dieu dit que nous devons lui être reconnaissants. Bible oui, qui avait dit l'épreuve. Il avait dit l'épreuve que Dieu a guéri. Mais parmi ces 10, un seulement était venu rendre témoignage. Dieu l'a dit, où sont les autres? Amen. Donc nous allons appeler 4 personnes brièvement dire dans la Zaraki, mon confus. Dans mon côté, la Nzambe à femme, lève-toi. Dieu a fait ceci, cela brièvement. Oui, le bien-aimé, Bakoloba, ils vont parler brièvement. Quand ils sont entrés dans la femme, lève-toi, sois éclairé. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Nzamba sali boe, Nzamba sali boe. Amen. Amen. Alors je vais appeler Maman Josiane, le numéro 183. Et comme Maman Josiane, numéro 183. Qui va se lever pour venir témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Maman Déborah m'a encouragée, on a prié et elle m'a dit elle va demander aussi à nos soeurs, maman, lève-toi, sois éclairée, de prier ensemble. Maman Déborah a fait un courage, père Singa, ton bon est là, mais ton sein a fait un bisou, ton bon est là, il est là. Elle m'a dit, ne crains rien, il y a l'éternel, il y a le bon Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et on a prié, le matin à 4h, à midi, à 21h. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est mon neveu. Je me rends le neveu dans la pénina. Il m'a dit, maman, je suis guérie. Il était vraiment sérieusement malade parce qu'il buvait même de l'eau de terrassier. Oui, il y a des gens qui ont fait la moutou, il y a des gens qui ont fait la maillot à salité. Elle m'a dit, maman, je suis guérie. Elle s'est maman vraiment la dit que je n'ai pas traîné, j'ai appelé maman Déborah. Non, on m'a quitté, on a béni maman Déborah. Je dis, Dieu a fait quelque chose. Elle me dit, ça m'a salué, elle a fait la maman. Ce que je voulais dire, il faut persévérer. On a rien à nos bateaux, il a pris beau. Il ne faut jamais se décourager. Donc, se décourager, il ne faut pas oublier la prière de 4h, de 12h et de 21h. Donc, il a pris beau, on priera à 4h, à midi, peine à 21h. Dieu a fait quelque chose, il a fait sortir mon neveu là où il était enfermé dans le prison. Zambassani m'a parlé, il y a Bimissi, neveu dans la place, Zaki n'a qu'à la prison, il y a folie. Voilà, je glorifie l'Éternel et mon neveu lui-même, il a dit un grand merci à tout le monde. Il a même appelé Maman Déborah partie de l'Afrique et il a causé avec Maman Déborah. Il n'a pas mon exemple et il ne veut pas si merci à la tour parce qu'il a eu la prière et après si merci à Maman Déborah. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, j'ai appelé notre maman le numéro 500. Maman, la mission numéro 500. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il y a un Zaline qui est pour nous? Le numéro 500, si le numéro 500 n'est pas là, numéro le numéro 310. La belle maman. Numéro 310. Maman Cécile. Maman Cécile. Maman Cécile. Nous allons acclamer le Seigneur.
tous au nom de Jésus-Christ. La paix civile au nom de la commune est sous. Moi, je veux encourager celui qui est fatigué, celui qu'on a dit au médecin qu'il n'y a plus d'espoir. Il faut venir nous rejoindre à 4 du matin, à midi et à 21h. Et vous aurez la réponse correcte. L'invité est la prière, la bisou à 4h du matin, à midi, et à 21h, il reçoit Eyano. Parce que si vous me voyez aujourd'hui, moi j'avais un problème sérieux de foi. Ce que nous avons les longs, nous avons la salle la maladie, et ça, il y a foi. On allait faire une greffe de foi. Il fallait pas l'on a organe, on va venir une foi, donc pas l'organe, il y a un tout. Mais comme je crois toujours au Seigneur et la prière, les jours même où je suis entrée à l'hôpital pour que deux jours après on puisse me faire l'opération, les docteurs ont dit que madame, tu dois rentrer à la maison, ta foi est guérie et je suis sauvée. Encourage à prier et persévérer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler notre sœur, la sœur Marie-Thérèse, numéro 357. Elle va avancer pendant qu'elle avance. Si je suis là, c'est pour encourager ceux qui ont fait des années comme moi. Les médecins disent toujours il n'y a pas de médicaments pour se soigner. Quand tu es malade, donc. Et que tu dois attendre aussi. La mort arrive, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais il faut pas perdre l'espoir. Croyez en Dieu. Et à la prière. Que ce soit la prière de 4h. Prière il y a 4h. À midi. Et à midi. À 21h, ça donne le courage de voir que les médecins n'ont pas de pouvoir sur votre vie. Et bien, ça encourage au monde que les médecins basent à la. Parce que j'étais malade pendant 13 ans, j'avais le sida. On a bien acquis malade au bénin sida pendant 13 ans. Mais le Dieu de midi, maintenant, mais au midi, le Dieu. Mais voilà.